Le rondeau est une grande forme de la poésie fixe du Moyen Âge. Alors, elle est accompagnée de musique et composée de refrains et de rimes. Dans cet exemple de Charles d'Orléans, le printemps, on peut remarquer qu'il y a une, deux, trois strophes et accompagnée d'un refrain. Ceci est la caractéristique du rondeau. La ballade est une grande forme fixe de la poésie du Moyen Âge, qui est aussi accompagnée de musique et composée de refrains et de rimes. Dans cet exemple, la ballade d'Éperandus, on peut remarquer qu'il y a une, deux, trois strophes et une demi-strophe qui est appelée Et revoir. Le sonnet est d'origine italienne, datant du XIIIe siècle et perfectionné par Pétrarque au XVe siècle. Pétrarque est un poète italien. Donc le sonnet, ses caractéristiques, il est composé de deux quatrains et deux tercets. Alors, dans cet exemple-là, du Bellay, les regrets, alors il y a dans le quatrain, des rimes embrassées, donc A, B, B, A.